Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité, en particulier au professeur Sandrine Deltour. Donc c'est un sujet qui est assez vaste. J'ai choisi de le traiter sur trois points différents. Celui du télé-AVC, ensuite celui des scores préhospitaliers cliniques qui ont un peu le vent en poupe pour essayer d'identifier les patients qui ont une occlusion artérielle proximale, donc il faudrait envoyer directement au centre de thrombectomie. Et puis, dans un troisième temps, nous verrons quelque chose qui relève peut-être du gadget, mais peut-être de l'avenir, qui sont les unités neurovasculaires mobiles, les mobile stroke units. Voilà. Alors, on va commencer avec le premier point sur le télé-AVC. Donc, ça semble une solution extrêmement séduisante et encore sous-développée pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients, et en particulier dans des zones un peu plus rurales. Donc, ce papier qu'on voit ici, c'est une revue systématique et méta-analyse qui compare de toutes les études comparatives de télé-AVC versus prise en charge habituelle, mais au sein d'une UNV de recours, d'un Comprehensive Stroke Center. Et donc, dans cette étude, on avait un peu plus de 12 000 patients au total, à partir de 33 études comparatives. Et si on observe, voilà, ça fonctionne, les critères de jugement qui nous intéressent, eh bien, finalement, il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Alors, on ne s'attend évidemment pas à avoir une supériorité de la prise en charge en télé-AVC par rapport à la prise en charge dans une UNV de recours, mais le fait de ne pas avoir du tout de signal inquiétant de surmortalité, par exemple, ou de surrisque d'hémorragie cérébrale après thrombolyse intraveineuse sont des éléments, bien sûr, très rassurants. Alors, on observe même qu'il y avait un taux de thrombolyse intraveineuse qui était non significativement un peu supérieur dans les patients pris en charge en télé-AVC, et à l'inverse, un taux peut-être de thrombectomie mécanique un peu plus faible. Mais il y a un biais quand même, c'est que ce sont des patients qui sont dans une UNV de recours, donc qui reçoivent pas mal de patients transférés pour thrombectomie. Alors, en France, il y a aussi, bien sûr, beaucoup d'initiatives de télé-AVC, mais finalement, encore assez peu de données de la littérature, et notamment peu de données comparatives avant-après ou bien ici et ailleurs, ce genre de choses. Malgré tout, on peut voir en particulier sur les équipes qui ont monitoré le taux de thrombolyse intraveineuse, eh bien, une augmentation assez importante. En Franche-Comté, notamment, c'était passé en 2004 de 0,2% à 9,9% en 2015. Et dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a eu une augmentation relative de 76% des taux de thrombolyse intraveineuse. Donc c'est effectivement le télé-AVC un outil vraiment très précieux. Et comme je le mentionnais en introduction, à mon sens, là où il y a peut-être le plus de bénéfices à en attendre, c'est dans le milieu rural. On voit ici une revue systématique et méta-analyse de toutes les études comparatives de télé-AVC versus pas de télé-AVC en milieu rural. Et voici donc les différents outcomes. On observe déjà une augmentation non significative, mais tout de même, de la proportion de thrombolyse intraveineuse. On passe de 4,9% à 11,8%. Et puis, on augmente aussi, cette fois-ci significativement, la proportion de patients qui sont traités dans les 3 heures. Et si on s'intéresse à des critères de jugement un peu plus durs, comme la mortalité, ben on a une réduction de la mortalité intra-hospitalière, donc ce qui a un effet vraiment très fort, même si le niveau de preuve est faible, avec un nombre de patients à traiter de 58. Tous les 58 patients traités en télé-AVC, pris en charge en télé-AVC, eh bien, il y a un décès en moins. Et si on s'intéresse au score de Rankin à 3 mois, en prenant la proportion de patients MRS 0,2, donc une évolution qui est favorable, sans handicap pour les activités de la vie quotidienne, eh bien, on est à un nombre de patients à traiter de 16. Tous les 16 patients traités, on a de manière supplémentaire un patient qui est à MRS 0,2 à 3 mois. Voilà, donc ça c'est pour le télé-AVC. On va parler maintenant des scores préhospitaliers et notamment également des deux grands paradigmes de prise en charge des patients qui sont DRIP and CHIP et MOTHERSHIP.
Drip and chip, c'est vous avez une suspicion d'AVC, le patient va être envoyé directement à une UNV de proximité. Et puis, si jamais il y a une occlusion artérielle proximale, le patient sera transféré, aura donc la, pardon, le patient aura si besoin la thrombolyse à l'UNV de proximité. Et si jamais il y a une occlusion artérielle proximale, il sera transféré pour avoir une thrombectomie au sein d'une UNV de recours. C'est le concept donc, de drip and chip. Mothership, c'est on envoie tout le monde dans l'unité de recours, là où il y a un centre de thrombectomie. Alors, les avantages du drip and chip, c'est qu'on devrait gagner du temps sur la thrombolyse intraveineuse, puisque l'unité de proximité, par définition, peut être atteinte plus rapidement. Et puis, l'autre avantage, c'est que ça évite de surcharger l'unité neurovasculaire de recours, en particulier dans les régions où il y a beaucoup d'unités de proximité et peu d'UNV avec plateau de thrombectomie. L'inconvénient, c'est que pour les patients qui ont une occlusion artérielle proximale, on risque de perdre du temps sur la thrombectomie. Donc, voilà. Et puis l'autre inconvénient, c'est que c'est assez consommateur de ressources en termes de transfert interhospitalier dans ce modèle pour les patients qui ont une occlusion artérielle proximale. L'autre approche, c'est l'approche Mothership. L'inconvénient, c'est qu'on risque de perdre du temps sur la thrombolyse. Et puis, qu'on risque d'avoir une surcharge du centre. Alors, il faut bien voir que quand nous, on voit arriver le patient, on est bien au chaud à l'hôpital, souvent, il a déjà eu quand même un certain nombre d'étapes qui ont été réalisées en préhospitalier. Et ce concept donc, de triage, même si c'est un terme que j'aime pas beaucoup, il y a beaucoup de patients qui ont une suspicion d'AVC et finalement, très peu qui ont déjà un infarctus cérébral, c'est pas forcément la majorité, et très peu qui sont éligibles à la thrombectomie mécanique. Alors comment essayer de faire mieux et d'améliorer la prise en charge préhospitalière pour envoyer le bon patient au bon endroit au bon moment? Donc ça, ce sont des données qui sont des Pays-Bas et qui concernent une étude qui a évalué la valeur diagnostique de différents scores cliniques pour essayer d'identifier les patients avec occlusion proximale. C'est donc il y avait 1000 patients qui étaient tous évalués en préhospitalier, donc avec un paramédic, et qui étaient tous tests FAST positifs, c'est-à-dire soit un déficit du membre supérieur, du visage ou de la parole. Et donc parmi les patients là arrivés en stroke center, dans les 6 heures, il y en a seulement 50%, alors qu'ils sont déjà bien triés, qui ont un infarctus cérébral. Et donc de l'ensemble des patients, il n'y en a que 30% qui sont éligibles à la thrombolyse et seulement 9% éligibles à la thrombectomie. Donc c'est vraiment important d'essayer de pouvoir améliorer cette prise en charge préhospitalière. Il y a eu donc dans cette étude une comparaison des différents scores qui sont finalement tous basés sur des sous-items du score NIHSS. Et donc ils avaient 120 patients qui avaient une occlusion artérielle proximale, 12% de l'ensemble des patients seulement avaient une occlusion proximale, ça reflète bien ce qu'on voit en vie réelle, et seulement 23% des patients avec un infarctus cérébral avaient une occlusion artérielle proximale. Et le problème de ces scores, c'est à mon avis toujours la même chose, c'est quelque chose qu'on avait souligné même il y a longtemps, c'est qu'à mon avis la sensibilité est insuffisante avec un risque de sous-diagnostic. On manque en fait 33% des patients qui ont une occlusion proximale avec l'utilisation de ces scores. Donc ça, c'est une perte de chance potentielle pour 33% des patients qui ont une occlusion proximale parce qu'ils ont besoin d'avoir une thrombectomie le plus vite possible. Le score qui avait la meilleure classification, meilleur R sur la courbe, c'est le NIHSS. Il était supérieur à tous les autres. Et parmi les autres scores simplifiés, celui qui tirait un peu son épingle du jeu, c'était le score RACE. On va y revenir tout de suite. Mais d'abord, voyons déjà une revue systématique et méta-analyse de l'approche drip and chip versus mothership l'impact sur le score de Rankin 0,2 à 3 mois. Il y avait dans cette méta-analyse une supériorité de l'approche mothership donc pour ces patients, avec une réduction de plus d'une heure du délai entre l'apparition des symptômes et la ponction artérielle, et une réduction de 80 minutes du délai entre symptômes et reperfusion post-thrombectomie. Ça, ce sont des données observationnelles, mais on a aussi quelques données randomisées qui ne vont pas dans la même direction. Pourquoi ? Parce que
C'est important d'avoir l'ensemble du prisme et non pas juste simplement les patients avec occlusion proximale. Ça, c'est l'étude randomisée RAISE 4 qui a été publiée dans le JAMA en 2022, qui a été conduite en Catalogne. C'est une région extrêmement bien organisée, avec notamment un registre de l'ensemble des AVC qui s'appelle SONIA. Et donc, c'est une étude qui est adossée au registre. L'idée, c'était de comparer de manière randomisée deux approches chez les patients qui étaient identifiés avec le score RAISE comme ayant une forte probabilité d'avoir une occlusion proximale. Les deux approches randomisées, c'est soit le drip and chip, soit le Mothership. Voilà. Donc, c'est ce que je mentionne ici. Il y a un AVC, on est assez loin quand même d'un peu tout. Soit on va directement à l'UNV de proximité, et après, si besoin seulement, on va au centre de recours, soit on va directement au centre de recours en Mothership. Et donc, tous les patients avaient un score RAISE supérieur ou égal à 5, et on était globalement dans la fenêtre horaire précoce, donc étude randomisée, et le critère de jugement était le score de Rankine, le niveau de handicap, à 3 mois, qui était évalué de manière rigoureuse, en aveug de la prise en charge. 1400 patients randomisés, c'est un effort énorme, et finalement, il y avait, bien que ces patients aient tous des scores élevés, que 68% d'infarctus cérébral ou d'AIT, et 67% de patients avec occlusion proximale. Et si on s'intéresse au score de Rankine, il n'y avait pas du tout de différence avec une taille d'effet qui était vraiment neutre. Et les analyses de sous-groupe n'ont pas permis de tirer l'épingle du jeu d'une manière ou d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Dans l'approche drip and chip, on observe davantage de thrombolyse, et dans l'approche mothership, on observe davantage de thrombectomie. Et puis, en drip and chip, on gagne du temps sur la thrombolyse, mais on perd du temps sur la thrombectomie. Et finalement, tout ça s'équilibre. Non pas parce que l'efficacité de la thrombolyse est la même que celle de la thrombectomie, on sait bien que c'est faux, la thrombectomie est plus efficace, mais la thrombectomie ne concerne que les patients avec occlusion proximale, et donc finalement, au total, tout ça se neutralise. Donc l'idée vraiment d'appliquer aveuglément des scores préhospitaliers pour trier les patients, c'est peut-être intéressant, mais en tout cas, les données randomisées de RAISE 4 et puis plus récemment d'une autre étude qui s'appelle Triage Stroke, qui a été parue cette année, ne vont pas en faveur de l'utilisation massive de ces scores, du moins, c'est l'interprétation que j'en fais. Alors, est-ce qu'il y a quand même des patients dont on pense qu'ils peuvent être des meilleurs candidats pour l'approche Mothership? Bien, il y a un certain nombre de données de simulation, notamment celle de Jessalyn Holodinski, qui sont très intéressantes. Peut-être que les patients qui ont un temps de transport assez court entre l'UNV de proximité et l'UNV de recours, ça peut-être que ce sont des patients qu'on peut envoyer directement au Mothership, les patients qui ont une haute probabilité d'occlusion proximale, mais on vient d'en discuter, et puis les patients dont on pense qu'ils ont une contre-indication, la thrombolyse intraveineuse par exemple, la chirurgie récente. Se pose la question pour les patients de la fenêtre horaire tardive. Et puis une autre approche, une autre approche, celle des unités neurovasculaires mobiles, qui est assez récente, qui vise à avoir un scanner en préhospitalier dans une ambulance pour pouvoir identifier les patients qui ont une hémorragie qu'on ne va pas thromboliser, et puis de pouvoir par contre faire la thrombolyse directement dans l'ambulance si on croit à l'infarctus cérébral et qu'on ne voit pas de signe d'hémorragie. Ça permet aussi de faire un angioscanner avec l'idée d'aller plus vite pour la thrombectomie. Et puis, il y a une solution de télémédecine qui va permettre d'avoir un avis expert, si nécessaire, d'une unité neurovasculaire de recours. Alors, il y a deux études qui ont montré une réduction du handicap. On va passer rapidement. La première étude, c'est l'étude Be Proud. C'est une étude non randomisée berlinoise qui, à chaque fois que l'unité... Mobile Stroke Unit, moi je le traduis par une unité neurovasculaire mobile. À chaque fois que l'UNV mobile, l'UNVM était disponible, c'était le bras intervention. À chaque fois qu'elle n'était pas disponible, c'était un bras contrôle naturel. Pour des patients qui étaient globalement dans les 4 heures, et ils n'ont pu garder pour l'analyse que des patients avec diagnostic d'infarctus cérébral ou d'AIT confirmé, parce que c'était adossé à un registre qui n'enregistrait que ces diagnostics-là. Beaucoup d'appels, peu de patients finalement inclus. Mais on observe malgré tout ceci, c'est-à-dire que le score NIHSS médian était à 4, des patients assez peu sévères, et une très grande proportion de patients avaient un infarctus cérébral plutôt qu'un AIT. À chaque fois qu'il y avait l'UNV mobile, il y avait également une ambulance
conventionnel qui était détaché et l'UNV mobile arrivait 7 minutes plus tard en médiane. Et voici donc le score de Rankine à 3 mois. Ça s'était évalué en aveugle de la prise en charge avec un effet très fort. Là, on a modélisé la probabilité d'aller mieux, c'est-à-dire d'avoir une amélioration d'au moins un point du score de Rankine. Notre ratio commun ajusté à 1,40. Et si on traduit ça de manière un peu plus intelligible en termes d'absence d'incapacité, c'est-à-dire de MRS 0,1, eh bien on gagne 8,6% sur un nombre de patients à traiter de 12. On est très proche de ce qu'on observe dans la thrombolyse intraveineuse versus le placebo. Donc un effet même plus fort que celui qui aurait pu être anticipé. Et puis ces résultats ont été confirmés par une autre étude non randomisée qui a été conduite aux États-Unis qui s'appelle BEST-MSU, avec là encore des patients qui étaient donc beaucoup d'appels mais peu de patients finalement éligibles à la thrombolyse, c'était leur population d'analyse principale, et les patients pour ce papier donc étaient considérés comme éligibles à la thrombolyse dans les 4h30. Un score en IHSS médian un peu plus élevé à 9 et une réduction du délai entre symptômes et thrombolyse de 36 minutes. Et surtout, ils ont multiplié par 10 la proportion de patients traités dans la golden hour, c'est-à-dire dans l'heure suivant eh bien, le début des symptômes. Et voici le résultat pour le niveau de handicap, le score de Rankine à 3 mois. Si on s'intéresse à l'absence d'incapacité, on gagne 10% en absolu, soit un nombre à traiter de 10. Tous les 10 patients traités, il y a un patient supplémentaire qui est Rankine 0,1 par rapport à l'évolution naturelle. Donc là, on est vraiment du même effet que thrombolyse versus placebo, donc un effet très fort. Alors malgré tout, tout cela a des limites, puisqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de déploiements pour finalement peu de patients. Et puis on peut se demander si c'est une intervention qui a vraiment de l'avenir. On a réalisé une revue systématique et méta-analyse de toutes les études comparatives. Et donc on a montré que l'approche en mobile structure permettait de gagner en médiane 30 minutes. Que c'était fortement associé à une réduction du handicap, et puis qu'il n'y avait pas de données inquiétantes en termes de sûreté, de sécurité. Par contre, pour la thrombectomie, c'est moins sûr, parce que si on regarde des données observationnelles, on a l'air de gagner 80 minutes, mais si on regarde les données des études dont je vous ai parlé, ben, on n'a pas l'air de gagner de temps, peut-être même qu'on en perd éventuellement un peu. L'une des raisons, c'est que les patients qui avaient une occlusion artérielle identifiée en préhospitalier retournaient quand même faire une imagerie aux urgences, ce qui est à mon avis une perte de temps très importante. Donc il y a la nécessité, à mon sens, d'une évaluation médico-économique randomisée de la stratégie d'unité neurovasculaire mobile en France. Donc c'est ce que j'ai proposé avec l'étude Asphalt sur laquelle je travaille depuis 2013, mais on vient enfin de commencer en octobre 2023. Ça a été très complexe, mais ça fonctionne maintenant. Donc c'est un essai médico-économique contrôlé, randomisé, financé par le programme de recherche médico-économique de la DGOS. L'ambulance est située à Necker et c'est la seule étude au monde de mobile stroke unit avec une randomisation à l'échelon du patient, c'est-à-dire au moment de l'appel téléphonique, il y a une randomisation et soit c'est la prise en charge habituelle, soit la prise en charge avec l'UNV mobile. Et donc nous évaluerons le coût et également la réduction du handicap grâce à cette intervention. Avec, il est prévu d'inclure 450 patients avec un infarctus cérébral à recruter en 3 ans. Voici les forces en présence. Et c'est un projet qui implique à la fois le SAMU de Paris et la BSPP. C'est le premier véhicule, à ma connaissance, qui a les deux logos. Voilà, la population éligible, je vais passer rapidement, sont des patients dans les 6 heures qui ont une suspicion d'AVC. Pour cela, on va se baser sur un questionnaire standardisé pour essayer de réduire justement le nombre de déploiements futiles, comme on l'a observé dans les autres études. Pour l'instant, ça marche très bien, de ce point de vue-là du moins. Pour l'instant, c'est évalué sur des patients qui ont un AVC dans Paris intramuros pour plusieurs raisons, notamment logistiques. Mais nous espérons, si le financement de l'étude le permet toujours, de dépayser l'ambulance dans une autre zone géographique dans un deuxième temps pour pouvoir augmenter la généralisabilité potentielle des résultats. Voilà. Et donc j'ai terminé. Voici quelques photos de l'ambulance. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, moi, je vais commencer par une question. Dans les différentes études que tu nous as montrées de Mobile Stroke Unit, est-ce qu'à un moment donné, en fait, donc le camion
vient aux patients, mais on peut imaginer que dans des régions assez éloignées, le camion soit très loin et pour autant. Et donc, est-ce qu'il y a des compromis qui sont trouvés à mi-chemin pour apporter le camion d'un côté et puis en par ambulance le patient? Alors, en discutant avec des collègues au sein du groupe Presto, qui est la fédération des différents concepts de Mobile Stroke Unit, j'ai appris un nouveau mot, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle rendezvousing. Donc, c'est rendez-vous à la française avec ING à la fin, et donc ils aiment beaucoup ce terme. Donc, c'est exactement ça, c'est la rencontre au sein d'un troisième point à mi-chemin. Notamment dans les Mobile Stroke Units en milieu rural. Ça se fait en particulier en Alberta, au Canada. Voilà, mais ça mérite aussi d'être évalué, mais ça peut être bien sûr une option utile. Rendezvousing. Voilà. Oui. Alors, ça dépend dans le monde des Mobile Stroke Units. Généralement, il y a soit un neurologue, soit un urgentiste. En termes de médecin, il y a un ambulancier et puis un manipulateur radio. Il y a par contre un certain nombre d'initiatives où il n'y a pas de médecin, où c'est un infirmier ou de type IAD ou autre, et puis en lien avec télémédecine. C'est le cas par exemple au Texas. Jamel. Dans un avenir proche ou pas, pour gagner du temps justement encore plus. Ouais, c'est très décevant. Il y a beaucoup de recherches qui a été effectuée, qui continue d'être effectuée. Malheureusement, ça ne permet pas de bien discriminer, ne serait-ce qu'entre ischémie et hémorragie. Après, il y a des combinaisons de biomarqueurs qui ont été proposées, mais on n'est pas du tout dans l'idée du point of care. Il n'y a pas d'hémorragie cérébrale, je peux thromboliser sans imagerie. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Oui. Unfortunately, I have to speak English. You compare pre and post 3 months functional handicap without any relationship with the rehabilitation time that the patient spent after stroke. Do you have any data related to this? Thank you for this very interesting question. Actually, we do not compare the distribution of the modified Rankin scale after and before treatment. We only have one time point, which is 3 months, and this is the gold standard for actually all randomized control trials of acute stroke. So indeed, the intensity of rehabilitation was not measured, and therefore there might be some discrepancies between arms, but We believe that it's likely that there is confounding by indication, for example, or any kind of differential classification bias here, because it would be unlikely that the amount or the intensity of rehabilitation would depend on the results of the randomization. I have a very hard time believing that patients that were not randomized but treated with the mobile stroke unit were actually directed towards a higher intensity of rehabilitation. So this doesn't seem very likely to me. J'avais une petite question également sur Asphalt, sur votre camion. Dans votre camion, il y a un scanner embarqué comme sur les Mobile Stroke Units dont vous avez parlé. Et est-ce que il est prévu, comme vous avez dit, une des limites peut-être des autres études, c'était que quand ils étaient redirigés vers un centre de thrombectomie, il y avait une nouvelle imagerie qui était faite avec peut-être une perte de temps. Est-ce que dans votre protocole à vous, on zappe cette phase-là pour aller plus vite du coup aussi à la thrombectomie? Ou est-ce que la pratique reste quand même de reconfirmer sur un scanner fixe, entre guillemets, peut-être avec des pouvoirs de résolution différents, etc.? Alors, c'est pas stipulé de manière péremptoire dans le protocole, mais on a contacté tous les NRI en fait, et eux sont d'accord pour ne pas faire d'imagerie des troncs supraaortiques. Oui, parce que j'ai pas précisé ça, on peut pas faire d'imagerie des troncs supraortiques avec ce type de scanner. Mais ils sont d'accord pour aller directement au bloc si on identifie une occlusion artérielle proximale. Ouais. C'est vraiment à mon avis, je pense qu'il y a autant de bénéfices à attendre de la thrombectomie que de la thrombolyse.
dans les mobile stroke units, mais tout ça reste à prouver formellement, et c'est vraiment important de faire une étude plutôt que de se lancer dans la construction comme ça d'ambulance à l'aveugle.